Bonjour tout le monde. Bienvenue au cinquième épisode d'Éducato Micro. Je suis avec Marie-Josée. Allô tout le monde. Aujourd'hui, Marie-Josée, on parle d'observation, de dossier éducatif, du dossier de l'enfant, avec Geneviève Baudet, psychoéducatrice. C'est sa deuxième visite, Geneviève, qui va venir nous voir aujourd'hui. C'est la meilleure pour parler d'observation puis du du portrait périodique, du dossier de l'enfant, comment se démêler dans tout ça, parce que c'est la question de tout le monde en ce moment. Comment on fait Comment on fait pour faire notre observation sans que ça prenne toute notre journée, tout notre temps? On a des bons trucs, des outils. Geneviève va répondre à vos questions qu'on a reçues euh, sur notre Facebook. Pour celles qui. Euh, c'est leur premier podcast avec Educato. Vous pouvez toujours euh, synthétiser les, les premiers épisodes pour comprendre un peu le concept. On reçoit vos questions sur Facebook, on les met dans un pot et on y répond avec une invitée. Euh... Puis, tu es avec Geneviève, euh, vient de s'asseoir avec nous autres. J'ai réfléchi un petit peu à, à, au mot observation, puis j'ai regardé tout le, ce qui tourne à l'entour de ça. Tu sais, observer euh, de, dans notre langage à nous, n'est on, on, pas quelque chose qu'on dit. On observe, mais oui, on utilise quand même ce mot-là de différentes façons. Exemple, guetter, tu sais, guetter quelqu'un. On observe, il y a différentes, euh, différents synonymes. Guetter? Euh, euh, ouais. Qu'est-ce que tu veux dire, ben, guetter? Guetter, stalker, okay, genre, hein, ah, okay, sur Facebook. Uh, oui, 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 hein, ben, c'est vrai, c'est de l'observation que les gens font. Mais il y, y a une fois, le mot observer qui m'a vraiment c'est-à-dire attiré mon attention, c'est, on dit, observer le silence. Ok. Tu as observer le silence, toi? Ben oui, au sport. Et tu vois, c'est <laughs> se conformer à quelque chose, puis c'est ce que... J'ai trouvé le plus fascinant de mon observation, c'est qu'on peut tellement l'appliquer de différentes façons. Ça va être vraiment le fun de voir avec Geneviève comment on est capable d'intégrer ça dans les activités. C'est parce euh... qu'en en fait, on observe tout le temps. Mais on n'est pas conscient de l'observation. Moi, je compare l'observation un peu à quand on zoome. Tu sais, maintenant sur nos, nos téléphones, on zoome pour voir plus grand. Mais l'observation, moi, je le compare à ça un petit peu. Donc, le travail qu'on doit faire maintenant, c'est de le visualiser comme quand on est avec l'enfant, on zoome un petit peu plus pour voir plus grand. Euh, disons des comportements ou des choses qu'on a besoin. Puis l'observation c'est pas juste observer des choses négatives, c'est d'observer des bons moments aussi. On va en parler tantôt. J'ai des petits trucs, euh, des petits jeux à faire sur l'observation qu'on pourra partager avec euh, avec tout le monde. Et puis c'est de mettre en lumière un peu ce qu'on fait au quotidien. Sans s'en rendre compte. Puis on le fait dans notre vie de tous les jours. On s'observe, on observe avec les réseaux sociaux. Euh, en plus, on ouvre ça, toute notre vue sur le monde. C'est vrai. Puis ce qu'on observe le plus en ce moment, c'est une genre d'un euh, stress généralisé De, on doit remplir un dossier, un, une, un portrait périodique. Qu'est-ce que c'est Comment se démêler dans tout ça Parce que. Il faut vraiment prendre le temps de comprendre et d'avoir des bons outils. Et quand on a ça, je vous le dis, on va simplifier votre vie. Parce que c'est fou, euh, depuis qu'on parle du dossier éducatif de l'enfant, toutes les messages qu'on a eu sur Facebook, les, les commentaires, les gens manquent d'informations ou sont pas tout à fait. Il y a plusieurs informations qui véhiculent. Je pense que. Puis Geneviève. Elle, elle va chercher l'information, elle est connectée, elle est c'est son, son domaine, c'est son dada, elle donne des formations dans plusieurs CPE euh, puis BIC au Québec et puis euh, qui mieux qu'elle pour répondre ouais, à la oh, que... question parce que vraiment Geneviève, pour, le, pour continuer la présentation de Marie-Josée, Geneviève, c'est aussi l'auteur, la, l'autrice des, des outils d'observation qu'on a dans, sur les publications Éducatou. On va vous en parler un petit peu tout à l'heure, on va vous les présenter. Euh, elle est aussi l'auteur de la formation d'observation en service de garde, Quand, Comment et Pourquoi. Je pense oui. qu'on va inviter Geneviève Bien à venir s'asseoir. Tout le monde l'attend avec impatience. Avec nous. <laughs> Puis, Bonjour Salut, Geneviève. Geneviève. Écoute, Vraiment je t'observais du ouais, coin de l'œil vous puis... êtes bon tabarouette. Euh, euh, ouais. ben, toi aussi dans le fond, c'est ta deuxième euh, deux, deux, deuxième invitation euh, au podcast. Exact, Merci oui. d'être là aujourd'hui. C'est plaisir. Merci beaucoup. Regarde, je t'observe ouais. avec ma loupe. Mais en fait là, vous avez fait euh, comme une introduction sur ouais. l'observation, mais il faut comme différencier un peu l'aspect la, plus vigilance parce que oui, c'est vrai qu'on observe tout le temps, mais on est sous, on est beaucoup euh, vigilant. Ça veut dire que c c'est comme un peu un radar euh, où est-ce que l'éducatrice ou l'ARG va regarder les enfants puis elle va intervenir euh, en cas de besoin immédiat. Donc, s'il y a un enfant, il y a du danger un peu pour sa santé, sa sécurité, pour son bien-être, tout ça. Quand on parle d'observation, euh, c'est quelque chose qui est un peu plus, euh, je dirais, une attention un peu plus soutenue qu'on va porter sur un élément euh, pour essayer de comprendre dans le fait... Euh, euh, soit ce qui se passe ou comprendre... C'est pour le... ça que je dis, tu sais, on zoome. Tu sais, souvent, exact. C'est encadré. Oui, ouais, exact. Il y a une procédure à suivre. Euh... Je trouve que c'est une bonne façon mm. visuellement de, de, de le voir quand on... vraiment on fait tout ça. Le on, focus. on focus. On focus sur une chose. Mais surtout, on, on élargit comme l'observation sur une, une, un certain aspect ou un, un comportement qu'on on a besoin de, de travailler peut-être, puis de noter. Exact, oui. Hum parce que c'est ça vous disiez, je me promène, tout ça. J'ai rencontré plusieurs euh, RG, éducatrices, tout ça, puis souvent, c'est ça, avec l'avenue du, du nouveau euh, portrait qui doit être rempli. Euh, c'est comme ça a été annoncé, mais il n'y a pas eu euh, beaucoup euh, d'informations sur le comment ça doit être fait. Donc c'est un peu ça l'inquiétude. Parce que euh... ce qu'il faut comprendre, c'est que durant les ce que tu me dis, c'est que durant les deux les derniers mois euh, cet hiver puis depuis l'automne, tu t'es promené là dans exact. des BC, t t as donné des formations. Pour un peu démystifier tout ça, <laughs> l'observation, oui, parce que c'est vraiment puis la base. C'est quoi ta là? première observation par rapport aux éducatrices? Euh, ils se sentent comment par rapport à tout ça ben je dirais qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur le produit à livrer plus là, sur le qu'est-ce qu'on met là-dedans euh, quelle forme ça doit prendre euh, parce que ça doit être communiqué aux parents aussi donc euh, c'est beaucoup ça mais je pense que ce qu'ils ont pris connaissance ou conscience plutôt, c'est qu'ils observent, ils en font de l'observation, mais ils ne réalisaient pas qu'ils en faisaient en fait autant que ça. Là, c'est juste d'aller euh, prendre des notes ou noter des exemples plus concrets de façon plus spécifique là, pour pouvoir euh, avoir un portrait. Puis euh... c'est sûr que quand on leur offre nos outils, parce qu'on les a créés spécifiquement pour les RSG, les éducatrices euh, en général, là, mais on les a créés vraiment pour. Simplifier leur travail. Exact. Donc, on va les présenter tantôt oui. euh, à travers les questions qu'on va poser, mais nous, notre travail, toi, ton travail surtout, c'est de nous accompagner aussi là-dedans, c'est de. Les outiller, en fait, ou... c'est ça, pour oui, que ça soit puis... plus facile, plus simple, euh, puis leur donner des repères sur. Souvent, ils ne savent pas euh, comment noter de façon objective, par exemple, les observations, tout ça. Donc, dans les outils, il y a des repères par rapport à ça. Aux... Donc, Bon, là, on a fait le tour un peu là, de manière générale. C'est quoi l'opinion, l'inquiétude? Euh, dire... On a mis la table. Là. Exact. Puis là, on va aller dans le. On, eu... on, on va présenter le plat principal. On a eu des, 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 très, on bonnes, on a eu des très bonnes questions qui, oui. qui nous ont amené ils aussi. Ils un bon tour à, à faire le dirais. tour de tout ça. On va les, les commencer à, à piger nos premières questions. quest Je pense pensée? que oui, parce que les questions sont tellement pertinentes, puis ils vont faire en sorte que. On, Je trouve que... pige la première. <laughs> on va pouvoir vraiment toujours... aller dans le, dans le vif du, du... du... visuel. Allez, okay. vas-y, vas euh... on t'observe. Euh... Oui, oups, il a pas deux, une à la fois. Allez-y, donc... première question, on nomme le prénom de la personne. Parfait, donc c'est une question de Mélanie qui nous demande « Comment pouvons-nous euh, apporter une observation de façon positive tout en restant réaliste et amener les parents à voir si leur enfant nécessite l'aide d'un spécialiste lors de la remise du dossier? » Donc, je veux juste apporter euh, peut-être euh, une petite parenthèse par rapport à la remise du dossier. Donc, en fait, il faut distinguer le dossier et le portrait, parce que le dossier, c'est comme un dossier euh, d'inscription, peu importe, c'est un dossier physique dans lequel il y a plusieurs éléments, dont... Les portraits du développement. Donc c'est le portrait qui va devoir être mis aux parents deux okay. fois par an. Donc dans le dossier de l'enfant, c'est ça peut être la fiche, c'est la fiche d'inscription de l'enfant. Ben en fait c'est une, une fiche plus générale d'informations okay. sur euh, l'enfant quand est-ce qu'il a commencé à fréquenter le service de garde. Euh, il y a aussi euh, le, le nom des parents tout ça. Donc il y a tout comme ce une... qu'il y avait normalement dans, une, dans un dossier de l'enfant. Bien, en fait, plus. c'est vraiment deux choses distinctes. Donc, là, il y a vraiment une fiche d'information générale. Il y a une section sur les portraits. Et il y aurait aussi, peut-être, pour certains enfants, une, une troisième section qui serait des, euh, du, euh, des outils euh, supplémentaires. Donc, si un enfant, si, par exemple, a des besoins particuliers, euh, si il y a des un plan d'intervention. Exactement. Donc, là, il y aura aussi. Euh, donc, c'est un dossier éducatif par rapport euh, au développement. Euh, Dans le fond, ça permet d'avoir une vision. Euh, Focuser un peu comme tu as dit tout à l'heure par rapport à chaque enfant, mais précis aussi par rapport à leur développement. Exact. De façon le individuelle. Le but, dans le fond, c'est vraiment pour le parent de pouvoir suivre l'évolution de l'enfant, euh, pouvoir aussi. Euh, dans le fond, euh, faciliter l'adaptation de l'enfant quand il va euh, comme euh, fréquenter soit la maternelle ou s'il change de service de garde. C'est un dossier qui peut suivre l'enfant et être mis pour euh, un peu... Euh, dans le fond, ça permet de, de mieux connaître l'enfant, le oui. situer par rapport à son oui, parce développement. parce que l'éducatrice qui a l'enfant pendant 5 ans, c'est comme une, une mine de ressources, exact. De, de, puis qu'elle ne qu peut pas nécessairement partager, tu sais, parce que qu'elle connaît bien l'enfant, mais à partir du moment où il y a cette coupure-là entre l'éducatrice et la transition vers l'école, ça s'arrête là, ça n'existe pas. Il n'y a Je pas Je voulais une pensée là que, ben, c'est une pensée. Un... Ça vient d'un, c'est un auteur, Pierre Day. Écoute, c'est écrit dans les années 70, Ça, 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 ça dit, bien observé, nos enfants sont pour nous de bons éducateurs. Ce que, que j'aime de ça, c'est que ça dit une bonne observation, c'est l'enfant qui va te permettre à toi d'être un bon éducateur Exacte, dans le sens dans où c'est ça va permettre de mettre en, en place les bons moyens pour répondre à ses besoins, parce que si on n'observe pas, ben, des fois, on peut se tromper ou euh, on peut prendre le mauvais chemin finalement. Donc, c'est plus simple. Donc, ça, si ça on répond bien à la question. Ouais. À la question, donc, parce que là, j'ai fait une parenthèse sur le dossier, mais ouais. euh, donc, dans le fond, ce qu'on met dans le portrait plus spécifiquement, c'est vraiment les habiletés de l'enfant, donc, acquises, donc, qu'est-ce qui est, dans quoi il est bon finalement, mais aussi euh, les habiletés émergentes, donc, qu'est-ce qui est en train d'apprendre, donc, présent puis, ça va être quoi son prochain pas? Donc, euh, la prochaine étape pour lui dans son développement par rapport à ce qu'on aura observé. Donc, euh, donc normalement, ce n'est pas une surprise pour le parent qu'on va le remettre euh, le portrait parce que euh, normalement, comme on communique à tous les jours avec les parents, euh, donc, quand on remet le portrait, c'est comme si on avait raconté l'histoire du développement de l'enfant, mais sur des choses que euh, normalement le parent est déjà un peu au courant des, des difficultés exact. ou des défis que l'enfant présente. Donc, euh, donc, dans le fond, c'est important, c'est ça, d'y de, de, aller de façon euh, objective. Donc, on présente concrètement des exemples euh, sur. Qu'on a observé, euh, ce qu'on a entendu de l'enfant aussi. Donc, si on y va comme ça, euh, donc c'est un peu ça, là, la base. Puis là, de, ça du répond portrait. pas à oui, mais comment on fait? Ouais. Mais dans les prochaines questions, Exactement. on souhaite voilà. les piger. Parce mais... que là, on reste sur notre appétit parce que oui, là, on comprend tout qu'il faut faire un dossier, ouais. qu'il faut faire un portrait, puis que le portrait fait partie du dossier. Par contre, comment on fait? On, on, pige? on pige une question. <laughs> on, pige? on y va -y avec bien. une deuxième question, Marjo. <laughs> okay. Parce que juste avec <laughs> cette question-là, on pourrait parler pendant une eh oui, heure. Même l'observation, une heure, c'est vraiment beau. Ouais. Non, que... parce que toi, tes formations sont de six heures. Exact, six heures. puis six heures, c'est vraiment un survol. Oui, euh... c'est ça. Ouais. Une question de Josée. Est-ce qu'on devrait garder le processus discret face aux enfants, ou est-ce que ce serait bien de le, fa... de le faire participer? Autrement là, dit, est-ce qu'on les observe ouais, avec une loupe -ce en fait que... c'est pas une évaluation qu'on demande non. aux éducatrices ouais. ou aux RG de faire donc on ne va pas demander à l'enfant par exemple de s'asseoir à une table puis de lui dire là je je vais je, je vais t'observer c'est ça mmh. euh, découpe ou euh, tiens non. ton crayon je regarde comment tu fais donc dans le fond si on veut euh, que nos observations soient euh, objectives et tout ça donc c'est important que ça se fasse de façon naturelle donc euh, par, par, euh, par les activités de mais la journée, finalement. Pour là, vrai, là tu, tu dis ça, mais moi, quand, parce que tout le monde, maintenant, sait que j'ai eu un service ouais. de garde pendant des années, tu sais, puis je fais toujours des anecdotes, mais nous là je te dis là j'ai eu la, le service de garde de 1996 et on dirait que c'est comme ça fait comme est la fin, osée, là, <laughs> les années, 1996 on a arrivé à service de garde à 2004 quand même je suis allée dans, dans les années 2000 et l'observation existait là et l'observation se passait comme tu dis par contre spécifiquement à un moment où je te regarde découper et tu es en train de faire un atelier. Je devais faire des séances d'atelier de 20 minutes et observer les enfants avec mon bloc-notes. C'était comme ça, l'observation. Mais ce n'est pas nouveau, l'observation. On observe à tous les jours. Mais ce que j'aime... On observe à tous les jours dans tous les, les oui. moments oui. de transition, de causes. De... Oui, puisque j'aime aussi, euh, par rapport, à, si on revient un petit peu à, à la question, Mais ça. ce qu'elle dit, c'est... Euh, oui, je pense qu'il y a quelque part, c'est quelque chose qui se fait aussi dans le quotidien, qui est préparé selon des critères Mais précis. Mais à demande, José, si on intègre les enfants. Moi, je trouve que. Bien, il y a un danger à oui. ça parce que l'enfant peut se sentir observé. C'est ça, qu'il oui. va réagir de façon exact, différente. C'est ça, si ça, on le laisse, par exemple, non. dans le bureau d'une orthophoniste oui. qui va évaluer, par exemple, un enfant, bien, c'est sûr que ça ne sera pas à son naturel parce qu'il ne connaît pas cette personne-là. Donc, c'est sûr qu'en en service de garde ou en CPE ou en milieu familial. Si vous observez, puis si l'enfant il vous voit constamment, tu sais, oh, là, je veux noter quelque chose, bien ça va être naturel pour lui, oui. puis il ne se posera même pas de questions. Donc, c'est différent de demander à l'enfant de s'asseoir, puis on, on le regarde, versus on est dans la même pièce, on continue euh, puis l'enfant joue par exemple en jeu libre ou euh, est en interaction avec les autres, puis on se prend des petites notes de ce qu'on veut euh, donc ce qu'on ne veut pas oublier. Donc, donc un peu... si on la question, c'est mais... on le fait de façon euh, oui, Mais les enfants... Enfin aussi ils savent ce qui se passe, c'est fait que même si on prend des petites notes, il y en a des plus euh, rusés aussi puis plus ouais. vieux qui vont s'en rendre compte. Fait que moi je pense pas que on, on doit cache n... pas on mais cache on, pas. on peut oui, lui non. dire, puis, on peut puis, on peut lui dire que on prend. Ben écoute, une éducatrice qui cuisine là, elle se cache pas L'enfant sait qu'elle est en train de cuisiner. L'éducatrice qui est en train de faire une tâche X qu'elle a besoin, on l'observe, les enfants l'observent, ils savent. Ok, là Jojo est en train de faire la collation. On... Jojo c'est. Oui, hein, mais tout ça pour dire que moi je trouve intéressant intéressant d'apporter des jeux d'observation avec les enfants aussi. Que à un certain moment, on fait un jeu, on implique les enfants. Ok, là, on joue. C'est pour ça que j'ai amené les loups parce que je trouvais ça drôle. Il y a des jeux d'observation avec des loups aussi qui se fait là, euh, avec des petites petites, petites images. On, on, on peut ouvrir la discussion sur l'observation. Oui, puis on peut, si l'enfant pose des questions, qu'est-ce qu'on note, pourquoi on fait ça? Bien, parce qu'on veut informer les parents de ce qu'ils ont fait à la, à, au service de garde, de ce qu'ils ont appris de, de tout ça. Donc, oui, euh, puis ça, tu ça, ça sais, il être... y a un petit jeu que je propose euh, sur Educato, euh, puis je, je l'ai noté, je me disais un petit truc. Si vous voulez amorcer la discussion par rapport à l'observation, parce que c'est correct d'en parler, je trouve, c'est de dire... Euh, parce que ça va être quand même nouveau, peut-être, qu'on qu voit plus que les enfants voient plus l'éducatrice prendre des notes ben on observe les enfants on, au rassemblement ça peut être le fun que euh, on met un enfant ou tous les enfants ou dans le, dans le milieu de la causerie puis là on prend euh, le temps d'observer la couleur des cheveux la couleur des yeux puis après ça on dit aux enfants on va aller faire un petit jeu on va aller faire un dessin de qu'est-ce qu'on a observé puis après ça on discute je trouve que d'ouvrir la discussion sur ça parce que oui ça fait partie de Exactement, maintenant du quotidien. Tu sais l'observation, ça devrait pas être une tâche supplémentaire pour l'éducatrice, c'est plutôt une façon, une nouvelle, une c'est une habitude. Ouais, c'est surtout un allié dans le fond qu'il faut comprendre. Tu sais là, peut-être au début, ça va demander du temps d'adaptation, de la préparation, tout ça, mais quand ça va être bien intégré dans votre quotidien, c'est sûr que vous allez être gagnant à utiliser l'observation. Puis c'est les enfants aussi qui puis, vont être pour gagnants répondre à la question José. Oui, je pense qu'il y a des fois qu'on ne on prend pas notre bloc-notes comme dans une boucherie là, pour noter les... les, 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 les... La température non. des viandes, là, c'est pas ça. Mais on. Excusez, mais ben, c'est vrai, j'ai je... tout le temps cette image, là, d'un <laughs> bloc-notes, là, avec la. Mais ben, on peut tu se sais, traîner on... un petit carnet, parce que si, ouais. exemple, on, a obs... on est au parc ou on est à l'extérieur, puis on a observé quelque chose, puis on veut petite pas note... l'oublier. Exact. On peut se prendre une petite note, euh, on peut le dicter à notre téléphone, on peut peu faire trouver. Mais c'est. Fait que l'enfant le... de 4 h qui est vraiment allumé va faire pourquoi t'écris. Tu sais, c'est pour ça que je pense que de. Bien, ça peut, c'est ça. Pour le juste lui, en lui donc, fond, euh, on est discret sans laide. Ouais, euh, c'est un sujet ouvert. Puis, euh, ben, on... si ça se fait de façon naturelle, l'enfant il s'en posera pas vraiment de questions. Mais okay. c'est juste de ne pas s'asseoir puis là, euh, c'est comme si on sortait notre loup. Ouais, non, c'est pas comme ça, ça là. Hein? Exactement. On y va avec une autre question. Je oui, mais... oui. pense qu'on a fait sa tour. Ah, <laughs> on fait notre tour. Hein? On est comme on des enfants. autres. Avec euh, moi qui. Non, plume, mais comprenez-vous le, 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 le parallèle que je fais avec le, la boucherie puis le boucher. Pas trop, mais oui. <laughs> okay. je juste, moi, j'imagine. Tu sais, le sarau. Moi, moi, je suis visuel. Hein, ben, là, là, j'imagine puis... le boucher. Là, Bref, puis ça n'a aucun rapport. Est-ce qu'un boucher, ça prend vraiment des notes? Oui, il n'y a pas de date. De... De... Ouais. Bref. C'est la température <laughs> des viandes. Ouais, hein, C'est pas ça qu'on bon, fait, là. Les enfants, on ne les compare pas Non. Non. Ok euh, bon de, de, c'est une question de Christine bonjour Christine bonjour. quelle est la première qualité professionnelle requise pour une bonne observation donc est-ce qu'il faut professionnellement une bonne question, ouais. parce que en fait il y a plusieurs euh, défis mettons euh, à l'observation euh, le premier dé... en fait le premier défi je dirais c'est euh, D'avoir une vision d'ensemble. Donc, si on veut bien observer, c'est important euh, qu'on puisse bien voir les enfants. Donc, des fois, juste l'aménagement des lieux, euh, ça peut être euh, favorisé euh, pour qu'on puisse avoir euh, une bonne vision de tout notre groupe. Donc, s'il y a des angles morts dans le local, donc euh, ça, c'en est une. Il y a des obstacles qui sont plus reliés à nous en tant euh, qu'observateurs. Donc, la perception, c'est le plus gros obstacle, je dirais. Notre façon de, de percevoir les informations. Euh, donc, c'est pour ça que je dis... Il faut dis, être objectif. Exactement. Je pense l'objectivité, c'est une de qualité d'un ouais, un bon observateur. De développer sa pensée critique par rapport à... Euh, à à son, euh, son propre rythme, à sa de perception euh, qu'on a des, des événements, parce qu'on peut être influencé par plein de facteurs, entre autres un enfant qui bouge beaucoup, un enfant qui crie. Donc, c'est sûr qu'il va attirer plus notre attention qu'un enfant qui est toujours à son affaire ou qui est un peu plus discret. Donc, il, il faut euh, prendre souvent un recul pour. Euh, pour se demander aussi des fois même euh, par rapport à tu sais une journée on file pas on est non plus non. fatigué euh, tu sais on est peut-être plus irritable euh, si un enfant il pleure ou euh, tout ça donc c'est pour ça je dirais euh, s'il y avait une chose ça serait ça euh, la pensée euh, critique puis Donc, avoir moi, je... une bonne connaissance de quoi observer ouais, aussi. Oui, bien je là, c'est ça que je m'en allais dire. Dans le fond, si redécouvrir rapport... les bons moments. Ouais. Ouais. Mais, mais, redécu... mais par rapport à ça, euh, Geneviève a préparé deux tableaux qu'on va donner euh, sur la, la, la page aider, du podcast. Ouais. Quoi observer, c'est quand même euh, parler de quoi observer ouais. dans chacun des domaines de développement. Je euh, ça vous permet quand même oui. d'avoir une, oui, une vision fond, générale et globale des, 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 des portraits oui. types. Puis euh... Selon le, les domaines du développement. Parce oui. que pour faire les portraits, il y a comme deux compétences à développer. La première, c'est d'avoir une bonne connaissance du développement de l'enfant. Donc, si on veut observer puis faire un, un portrait de son développement, il faut, faut bien connaître le développement. Puis là, il y a eu des modifications avec la venue du nouveau programme éducatif. Donc, on parle maintenant de quatre domaines. Donc, c'est sûr qu'il faut... Il faut avoir ce vocabulaire-là, il faut savoir un peu euh, sur quoi on doit focusser si on veut parler de de, de cet aspect-là. Donc c'est pour ça que j'ai euh j'ai créé euh, ce, ce tableau-là. Euh, puis la deuxième, c'est qu'il faut savoir mener une démarche d'observation parce que l'observation, c'est quelque chose qui se fait en plusieurs étapes. Donc, si on sait comment, euh, comment mener cette démarche-là, on, on connaît les étapes, euh, surtout l'étape de l'analyse, parce que oui, on va récolter beaucoup d'observations, mais on fait quoi avec ça après? Puis euh, c'est pour ça que je montre les outils. Donc, en ce moment. Je résume, par oui. exemple, bon, le, le, le lieu physique doit être opportun, euh, puis je veux dire, ça doit être bien. Tout doit être bien disposé pour être... Euh, Capable de bien observer, de voir un peu euh, toutes les enfants. Ensuite, donc, de bien savoir quoi observer. Exactement. Euh, donc, de cibler les bons moments aussi. Donc, si on veut observer le langage, ben on va... Euh, mais ça m'amène à me oui. dire, le, le, la formation sur le développement de l'enfant est importante. Ça, fait que ça serait oui. Donc, si, la si première vous l'avez fait il y a longtemps, là, ça serait peut-être bon, Reviser, oui. d'aller oui. la reviser. Oui, exactement, oui. parce qu'il y a du vocabulaire nouveau. Il y a, des, il y a eu des modifications, donc, de, de, vraiment pour être... Jour avec ça. Euh, il y a aussi une formation sur l'observation. Si jamais euh, vous avez euh, des questionnements par rapport à ça ou vous sentez que vous avez des lacunes là-dessus, euh, ça pourrait être bien là, de, de, de comme poursuivre un peu votre cheminement par rapport à ça. On va, euh, on va mettre le lien sur la parce page que aussi. Vraiment, on... toutes les étapes sont décortiquées, tous les obstacles à l'observation aussi, donc qui va vous permettre d'être plus objectif parce que c'est ça euh, la il plus y difficulté. Il y a, aussi on on a des outils. On a des outils. Là. On a le guide pour l'éducatrice. Ouais. Da, da, en Parlez-nous un de... peu ouais, du guide. Ouais. À, 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 Bien, en fait, euh, dans le fond, ça, ça répond euh, aux quatre ob euh, objectifs de l'observation, qui est de connaître l'enfant, planifier les activités, parce que l'observation, c'est la base de ça, là, de toutes les actions éducatives là, que, que l'éducatrice va, va faire euh, au, au cours d'une journée. Donc, la planification, l'intervention aussi, la communication avec les parents. Donc, c'est vraiment le point central, les quatre objectifs. Il y a des outils, des grilles d'observation qui sont euh, dans cet outil-là pour répondre à chaque chacun de ces objectifs-là. Chaque outil est décortiqué parce qu'il existe tellement d'outils d'observation, puis des fois, on ne sait comme plus quel utiliser, pourquoi on l'utilise. Donc, il y a des aides-mémoires. Donc, euh, chaque outil est bien décortiqué sur, OK, il y a un carré qui me demande de, de dire le contexte, mais ça veut dire quoi sur le contexte, donc c'est bien expliqué. Euh... Mais avec le guide pour le personnel éducateur et les outils d'observation qui sont, bon, on les a mis par tranche d'âge juste pour simplifier, avoir des repères, là, avoir ouais, des repères exactement. mais euh, on les a pour différents groupes d'âge, mais c'est le même, à, à peu près la même chose dépendant euh, juste de, de, du niveau de... Mm. De, de plus les grilles à l'intérieur qui sont différentes là par rapport mais aux... en fait le, le guide c'est vraiment pour outiller, celui-là, c'est vraiment plus sur le développement pour, de l'enfant, exactement. Pour faire les observations, exactement. pour noter les pour observations. La collecte. en préparation du portrait, du exactement. Donc, on, on revient à la question, oui. puis on va passer à une autre question. Donc, la question de Christine, euh, comme on a dit, c'est les lieux, c'est une bonne connaissance, euh, une bonne qualité, puis une bonne qualité d'observation, c'est-à-dire aussi utiliser des Object. outils. Exact, euh, prendre, des notes. Oui, prendre ça, des notes, oui, c'est ça. Ça prend du temps, des fois, on a l'impression qu'on écrit ça pour rien, mais ça va être tellement plus facile après quand ça va être le temps de okay. rédiger les... les... C'est parce que... Pour oui, les gens oui. aussi qui, qui nous écoutent, parce qu'il y a des gens aussi qui, qui écoutent le oui. podcast et oui. qui oui. ne le verront pas, euh, ces outils-là, euh, il y a une page sur Éduc tv sur Educato, vous allez pouvoir euh, voir les outils et oui. prendre note. Ils vont être en lien là. vous allez avoir des liens directs pour euh, vous les procurer sur la boutique Educato. Donc, euh, puis on Geneviève. En... <laughs> puis euh, on en fera tirer un guide oui, et quatre idée. outils d'observation à la fin du podcast oui. pour, à travers toutes celles qui ont posé leurs questions. Okay. On y va, euh, une autre une question. question. Ça oui, va bien. T'es rendu vraiment Alors, un non. habitué. Hein? Donc, une question de José, il y a plusieurs modèles qui circulent en ce moment sur Internet. Comment on peut euh, s'assurer que le modèle choisi euh, est bien conforme? Donc, on, on parle du, du dossier, du portrait, du portrait ouais, de euh, développement on va, on va Donc, dans le fond, là, mmh. ce que Nous, ça... Nous, on en propose. On... Oui, exact. Mais vas-y, parle-en, puis on montrera. Le... On a observé qu'on oui, avait ça. les meilleurs. <laughs> dans le fond, là, ce qui est important de savoir, c'est que dans le portrait, euh, il faut que ça, ça présente... Dans le fond, c'est comme un, un, un sommaire euh, du, de l'état du développement de l'enfant dans chacun des quatre domaines. Donc, euh, c'est pour ça que c'est important de bien connaître les quatre domaines de façon plus spécifique. Donc, quand on, on parle de domaine cognitif... Qu'est-ce qu'on parle exactement? Euh, Et on a créé un donc, beau train oui. pour simplifier. Hein? Exact, pour chaque domaine, c'est ça, domaine. qui est bien décortiqué. Avec chaque... euh, donc, euh, dans le fond, euh, il y en a plusieurs autres modèles qui circulent. J'en ai, ai, ai vu plusieurs, puis je vous dirais que ce que j'ai vu, c'est conforme parce que. Euh, chacun parle du do, des de, des domaines de développement tout ça donc c'est juste important de trouver l'outil avec lequel vous vous sentez à l'aise puis que vous avez le goût quand euh, tu justement. dis c'est conforme là on parle vraiment de ce que le ministère a demandé là en ce moment de ce exact qu parce sait, que c'est pas très précis sur euh, le format que ça doit prendre ça peut être numérique ça peut être d'ailleurs vos outils ils peuvent être remplis là directement ouais, en, en ligne notre dossier celui-ci ça là? peut être sous format papier, mais oui. ce qui est important, c'est que ça, ça décortique un peu, si je pourrais dire comme ça, mais sommairement, là, donc c'est pas. Euh une dissertation qu'on fait mais donc, sur le c développement, ça c'est une page par ça domaine, c'est tout. Exactement. Puis c'est sûr que si l'enfant, ça se peut qu'il y ait un domaine qu'on ait plus de choses à dire. Donc si l'enfant est plus jeune, exemple, bien, peut-être le niveau moteur parce que ça se développe plus à cet à cet âge-là va, va être plus garni, puis le niveau social affectif va être un peu moins. Donc c'est pas euh, c'est pas nécessairement tout égal Donc c'est ce mais... qu'on appelle, Il faut faire Nous, le portrait, là, a... le portrait périodique Là, on va Dit nous, là on parle, c'est oui. qu'on a, a créé mon dossier éducatif euh, et le train de mon développement, puis ça inclut le portrait périodique. Exact. Ça, c'est ce qui est, est important, c'est ce, ce que mis tu deux parlais. Fois par an, le portrait périodique a... du développement de l'enfant, c'est ce qui est important. On oui. l'a créé par, par euh, groupe d'âge, c'est disponible là, aux membres du club éducatou. Puis dans le fond, ce qui est euh, à l'intérieur, c'est. Euh, comme là, les il... exemples de d'action de comportement observables euh, chez chez les enfants par domaine de développement donc euh, ici euh, l'endroit pour la signature qui est exact. très important qui était okay. une okay. des donc, exigences les règles c'était ça hein? les exigences oui. c'était euh, d'être capable de faire un portrait il y avait aussi euh, l'importance c'est la signature du parent je pense exact, aussi Exact parce que ça doit être remis en fait transmis aux parents dans le fond si là exemple le premier qui doit être fait c'est au mois de mai 2020 euh, et il doit être remis aux parents au mois de juin et on doit conserver la signature euh, ou avoir une signature qui atteste là, que le parent a, pour parce ça, que c'est remis aux parents C'est pour ça qu'on vous l'a créé sur le club Educato. Euh, que vous pouvez le remplir directement euh, sur votre ordinateur, vous le sauvegardez, vous l'imprimez pour le parent et vous en gardez une copie pour vous dans, le, dans vos dossiers. c'est que euh, vous allez avoir toujours euh, votre por portrait périodique. Parce que dans le fond, le dossier va, va, ouais. va être plus volumineux à mesure qu'on va avancer. Parce que si l'enfant, par exemple, est 5 ans, mais dans 5 ans, il va avoir 10 portraits ouais, dans son dossier années. éducatif. Ça, exactement. Mais au moins. Puis quand l'enfant quitte, ouais. bien, en fait, le dossier, il appartient aux parents. Donc, quand l'enfant ouais. quitte, vous allez remettre. Dans le fond, il faut qu'il soit remis aux parents et l'éducatrice ou la RG doit conserver euh, pendant un, un outil an confidentiel. Euh... Exact. Oui. Il faut pas oublier. C'est l'éducatrice. Donc, ou, euh, euh, donc, euh, le avoir accès. deux fois par année. C'était oui. les, les exigences. C'est les exigences. Ouais, C'est en mai puis euh, en novembre que ça doit. Dans le fond, les observations doivent être faites en mai en novembre, mais on remet au plus tard 15 juin, 15 décembre. Euh, aux parents. Il doit avoir la signature du parent et de ouais. démontrer qu'on le remis Exactement. aux parents. Exactement. Donc, si, si ça se fait par courriel, parce qu'on le transmet par euh, e-mail ou quoi, peu importe, il faut garder le, la preuve. Et euh, ça doit être voile, une éducatrice là. qui le remplit. Hein, on dit, ou l'assistante, euh, ouais. s'il si y a une assistante, dans le fond, c'est ceux qui appliquent le programme éducatif qui okay. doivent euh, remplir. Fait que nous, on Sinon, a tenté de le simplifier donc si la question est mais il en contre, existe les en gens posent tu viens il en mais existe plusieurs le nôtre est vraiment 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 pratico pratique <laughs> C'est vrai. Puis il est inclus, oui, il oui. est gratuit dans le club éducato quand vous êtes membre. Donc puis vous êtes déjà membre, donc c'est comme pratiquement on a même il y a réduit déjà la couleur, des, hein, des... Toujours... on a enlevé, on a enlevé des la BC qui l'utilise, c'est ça. Il y a beaucoup ouais. de ba... Ah oui, il y a des BC qui ouais, nous appellent ouais. même qu'il y a eu des petites chances. puis nous, là, notre but là, c'est de toujours rester à jour. Fait que s'il y a un changement au ministère qui rajoute une troisième signature ou une quatrième signature ou une vingtième <laughs> signature, Mais ça se peut que ça évolue. Oui. Parce que, est nouveau, que est On ça. est à jour. Euh, Geneviève est en contact avec le ministère, apprend elle, elle, elle toujours l'information, elle est toujours à jour et c'est notre référence au niveau du... Non, mais on est très contents de t'avoir avec ça. nous parce que c'est sûr va garder que, que. Pour regarder pour tous les prend... podcasts, tu vas devenir non, la mascotte. Ça prend euh, qu quelqu'un qui oui. décortique tout ça. Puis Geneviève est pratico-pratique puis a réussi ouais. à mettre ça. Le guide pour personnel éducateur, là. Euh, ça explique tout, c'est pas compliqué là au niveau de l'observation. Ça explique tout. En plus, Geneviève a une formation à distance l'observer. Tu le dis. Il y en a une nouvelle qui s'en vient. Oui, ouais. sur le sur le dossier, et le portrait. Donc, bon. comment Donc, répondre aux exigences en fait Donc, qui décortique vraiment une démarche là qui va mener euh, de la rédaction jusqu'à la communication des portraits aux parents. D'ici Donc... euh, trois semaines, elle va être en vente sur Educato La nouvelle formation qui s'appelle comment euh, dossier éducatif, portrait du développement de l'enfant, euh, répondre aux exigences avec confiance. Donc, voilà. euh, on est vraiment là, on arrête on va être pas on va être, de vous sortir des documents sur l'observation parce puis que. Ça découle de, des questionnements que j'ai eus aussi euh, quand je me suis promenée. C'est euh, je... ça qui est le fun, tu es sur le puis, terrain. Puis si c'est une formation de 6 heures qui va faire partie oui, les euh, du perfectionnement exact. continu. C'est ouais, oui, avec une attestation, fait que vous allez être vraiment outillé pour, pour faire face faire à ce un... changement-là, parce que oui. c'est un autre changement. Il y en a eu plusieurs là, dans les dernières années, mais vrai. souvent, le changement, ça, ça peut faire peur. Donc, il faut juste prendre le temps là, de la oui. l'apprivoiser. Ouais. Ce qu'on sent, euh... c'est qu'il y a du sérieux à, ouais. euh, à l'entour de mais, ça, c'est qu'il va y avoir un encadrement. c'est bien. Même si, que... peu, même si ça reste un petit peu... Même okay. si ça reste un petit peu flou encore, mais ouais. si on lit les, les critères précis du ministère, puis si on va sur le site du ministère de la Famille et de la Petite Enfance, c'est précis, là. C'est... Oui, précis, puis ça, vous même. avez quand même euh, une latitude d'utiliser ou de vous créer des outils. Oui. Donc, vous pourriez ajouter euh, des photos, des que vous avez pris par exemple, un enfant fait une tour de bloc, puis là, vous avez le goût d'accompagner de, de, euh, la photo, de le mettre dans votre portrait, donc de mettre des bouts de vidéo. Donc, il y en a qui... Parce a... que ça reste confidentiel, fait. Exactement, que ça. donc ça appartient euh, aux parents, mais pour venir un peu, euh, des fois, juste... Euh, euh, ajouter de l'information. Rendre ça, ça être... rendre ça plaisant, oui. créatif, exact, euh, le fun. Ça. vous, pouvez vous avez la latitude de le faire, oui. donc c'est pour mais... ça qu'il n'y a pas de modèle unique là, que tout le monde va utiliser. Euh, non, que... mais en tant qu'éducatrice, c'est sûr que pour vous, c'est juste une couche de plus sur vos tâches en ce moment parce que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui s'ajoutent ouais. euh, pour elle, Mais. Comme je vous dis, nous, notre travail, c'est de simplifier le vôtre. Puis donc... à long terme, ça va être gagnant pour oui. l'enfant. parce qu'ils font déjà. C'est ça, oui. Puis dans le fond, il faut voir l'avantage de ça, c'est de mieux préparer l'enfant euh, pour son entrée euh, éventuellement à l'école, mais aussi euh, un peu de détecter les difficultés de, de développement pour qu'ils soit pris le plus jeune possible pour qu'on puisse l'aider à. Tout à, à ça, toujours évoluer, dans finalement. le but d'aider, puis répondre de ouais, ses ouais. Besoins, à Répondre sûr. aux besoins de l'enfant. Ouais. Est... Là, tu sors tes lunettes. Ben oui. J'ai plein de questions, Mélanie me dit, tu dois lire des questions. Mélanie, <laughs> une question. Bonjour Mélanie. Comment aborder un parent qui n'est pas réceptif à la suite de nos observations Réceptif, excuse. À la suite de nos observations. Comment aborder un parent ça, c'est une autre question euh, qui, qui, qui euh, hante, je dirais, plusieurs euh, éducatrices. Bien, en fait, comme je l'ai un peu dit tantôt, mais ça ne devrait pas être une surprise quand on présente les portraits euh, aux parents. Donc, c'est sûr, il faut développer un lien de confiance là, avant de parler des difficultés de l'enfant. Donc, il faut y aller euh, graduellement. Euh, faut... C'est plate. A... Je n'ai pas de baguette mais... magique pour dire. Mais on s'entend euh, que formule... l'éducatrice n'émet pas un diagnostic non, non pas plus. On ne demande là... pas de, à l'éducatrice d'émettre un diagnostic précis. Non, par non puis à la il faut tenir compte aussi que l'observation, c'est ça. Puis on peut détecter une difficulté. Euh, donc il faut faire attention au vocabulaire, donc pas mettre d'étiquettes ou euh, de donner de diagnostic. Mais c'est sûr que si on détecte une difficulté, qu'on met des moyens en place, puis qu'on voit pas d'évolution, faut informer les parents. Mais avant d'informer les parents, il faut travailler notre lien de confiance. Euh, puis puis c'est ça, là, dans pis, le fond, c'est le parent... On parle ouais. La communication avec le parent ouais. est extrêmement importante. C'est la base, exactement. Le but, ben, le but de, des observations vont faire en sorte que, justement, on ne sera pas toujours en train de dire des choses. On va, on va plutôt les noter. Ils vont les observer eux-mêmes en lisant le, por le portrait de l'enfant. Puis, dans le fond, ça ouvre la discussion parce que, euh, des fois, on est comme mal à l'aise, là, mais on peut se baser sur notre portrait puis dire « OK, j'aimerais ça qu'on en discute tout ça. Euh, » Puis, euh, mais sentir que, en fait, c'est un travail de partenariat. Là. On, on travaille avec le parent, mais ça se peut. Mais il faut respecter le rythme des parents. Oui, puis ça en milieu familial a... aussi, il ne faut pas que tu oublies, tu as une proximité avec ouais. le parent. Tu le vois soit le soir, le matin. Tu sais, en, en installation, en CPE, c'est peut-être différent, l'approche. Des fois, ça peut être une autre éducatrice bien, qui accueille même moi, le parent. moi, quand je en CPE, j'étais souvent présente là, dans les rencontres comme ça. Mais je pense, c'est ça, il faut être un peu empathique, il faut y aller de mais façon graduelle. Je euh... pense que les observations vont faire en sorte que les éducatrices vont redécouvrir les bons coups, les bons moments. Écoute, oui, je Oui, parce que tu disais, faut observer, oui, qu'est-ce qui est plus difficile, mais il ouais. faut surtout regarde, observer ce qui va bien. Si, exemple, tu es, es, es dans ton train-train quotidien, tu es éducatrice, c'est juste normal, OK Bon, le parent, ah, il tape tout le temps, ok Il tape toujours, il est tout le temps, euh, il mord tout le temps, il va, tu sais. Mais tout le temps et toujours n'existe pas non. premièrement. Et en observant, on s'en rend compte, ok Puis vous allez vous rendre compte que si euh, vous observez les bons moments, puis vous les notez, de vous... façon objective, de je façon avec objective, ça, mais avec des sans penser qu'il mord tout le temps, puis ça. que, ben, huit épisodes vont être mauvais à peu près, puis quinze vont être bons. Fait que Toujours n'existe pas. Il tape toujours, il tape Moi, Bien, souvent, je, je... tous les, les adjectifs je... pas. Peu précis, les adverbes aussi, euh, comme euh, euh, les adverbes, ça c'est un adverbe, mais comme les adjectifs genre, agressifs, mais ça ne veut pas dire la même chose non. pour personne, ouais. l'agressivité. Ouais, ouais. Donc, quelqu'un peut dire euh, cet enfant-là est agressif parce qu'il fra... il a frappé deux fois, puis l'autre s'est agressé. Il a chialé toute la journée. C'est ça, donc, c'est pour ça que si on y va avec des, des verbes euh, d'action, euh, donc, euh, tu sais, il est agressif, mais qu'est-ce que tu veux dire? Ça, c'est un gros travail des fois, c'est ce qui est un peu plus difficile, mais qu'est-ce que tu veux dire par c'est Qu quoi le comportement que l'enfant a utilisé qui puis, symbolise puis ça, puis pour finalement? pourquoi il était agressif? Le si contexte alentour de ça. Souvent, les contextes, vous allez toujours remarquer, c'est souvent le même, tu sais. c'est de là qui fait que si on prend ça en note puis on observe, après ça, on va faire une analyse, bien... En fait, on va se rend, on va pouvoir créer, faire des liens entre les différents et événements, trouver puis pouvoir, un outil un, ou un moyen qui est adapté à cet enfant fait Autant, autant on va euh, pouvoir euh, tenter de, de, de donner des défis positifs à l'enfant par rapport à des comportements plus difficiles. Autant, on va faire du renforcement positif oui, par oui, rapport en observant aux bonnes actions, les bons moments en observant les bons les moments. Les intérêts aussi, ouais. on ça peut va changer même la, percep la, la perception de l'éducatrice puis de dire, et c'est vrai que je dis souvent. So, Mais d'une façon positive aussi. On parle de communication avec le parent. veut pas, ça va amener le parent lui aussi à se poser des questions par rapport au travail que l'éducatrice fait. Il va encore mieux comprendre ben, c'est quoi ouais. le travail de l'éducatrice. C'est vrai. Je pense qu'on on va revaloriser le ouais. travail de l'éducatrice à travers l'observation. Oui, ça. Ça, ça va rehausser euh, la crédibilité parce que pour moi, toute éducatrice est crédible, mais on entend encore des parents dire ma gardienne, gardienne ouais. puis euh, non, c'est pas une gardienne. Puis en quelque part. C'est comme euh, même moi je me faisais appeler la gardienne. C'est comme de structurer encore plus notre travail, mais qui va nous faire vous faire sentir encore plus euh, fiers de votre journée parce oui. que au final vous allez avoir trouvé des pistes de solutions. Pis ça permet de prendre choses... un recul. Tu oui. des fois là on a une situation, tu sais, c'est difficile. Ça se peut que ça soit difficile, mais de prendre le pas de recul, tu d'arrêter d'avoir le nez collé sur l'âme, mais pour bien comprendre un peu vrai. tout ce qui se passe alentour, puis. D'avoir des repères du développement. Tu sais, on parlait de morsure, mais ça se peut s'il y a 18 mois, qui ça fait partie d'un peu de son développement, ouais, vu que son langage, normal, exactement, qu'on voit plus ça. S'il y a 4 ans, c'est autre chose. Mais, oui. Donc, ça, des mais, fois, ça permet de relativiser ça et de euh, comprendre de mettre, de, de mettre en place des contextes. Puis puis, ce que, ce que j'aime, oui. par rapport à toutes les questions qu'on a reçues, parce qu'il y avait beaucoup d'interrogations, on se dit comment, c'est quoi, c'est quoi une bonne observation, comment faire. Puis là, je vous écoute puis je me dis on a beaucoup d'outils qu'on peut utiliser, il y en a d'autres. Puis là ici, il y a un deuxième tableau que tu nous as préparé qui s'appelle des stratégies gagnantes pour une observation de qualité. Ça avant l'observation donc un peu tout ce qui englobe la préparation, le pendant l'observation donc des stratégies gagnantes puis le après donc qu'est-ce qu'on doit faire avec les observations. Ça vous allez l'avoir gratuit sur la page du podcast qu'on va mettre en ligne. C'est un peu du finalement ouais. de ce qu'on retrouve dans les différents outils c'est parfait puis ça il n'est pas dans le guide de l'éducateur est-ce qu'il est dans le guide de l'éducateur euh, euh, non ben, okay. mais il est, il est présenté différemment ouais. mais okay. c'est un aide mémoire exact, pour donner un un aperçu on de, veut passer des différentes... plus de questions okay, oui, exemple, On en mais... a eu tellement il y en a des bonnes hein ouais. que tu veux répondre hein? hey, ça c'est un gros papier ouais. ça veut te <laughs> dire que c'est une grosse question j'observe ben non c'est une petite phrase Beaucoup de papiers de Mélanie. Bonjour, si Mélanie. un enfant a des retards dans ses apprentissages, comment devons-nous l'indiquer au dossier de l'enfant? Là, je vais ouvrir une autre parenthèse pour dire que, en fait, c'est pas le, le mot retard, là, ça me fait un peu euh, friser euh, les oreilles ou les cheveux. Mais il faut faire attention parce que le rôle de l'éducatrice c'est pas d'établir un mmh. diagnostic ou d'évaluer l'enfant donc on peut avoir des interrogations ou des questionnements des inquiétudes par rapport au développement de l'enfant mais donc, dans, dans le portrait, on ne parle pas de, de retard. C'est vraiment le rôle euh, qui est réservé là, euh, aux professionnels de la santé, euh, donc, selon leur champ d'expertise. Donc, euh, euh, c'est donc, ça. Fait que dans le portrait, euh, je l'ai dit, mais je, je vais répéter. Donc, on parle des des des, 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 voyons, des habiletés. Euh, acquises, émergentes, euh, des prochains défis. Ça se peut aussi qu'on dénote des difficultés persistantes. Donc, à ce moment-là, on, euh, on doit écrire en fait, les moyens qu'on va, on va prendre pour pouvoir euh, euh, répondre à, Donc, à, à ce on, besoin Donc, ce n'est pas à l'éducatrice plus... de dire « Cet enfant-là a un retard », mais elle peut, mmh. à travers ses observations... Euh, dénoter certains Bien, comportements. Détecter, exact, oui. faire une amorce de dépistage. Donc, c'est pour ça, tu sais, en lien avec des repères du développement, il y a des continuums qui existent là, sur le développement parce que. Puis, retard, il faut faire attention parce que même les, les, euh, les, euh, les spécialistes où euh, ils font attention en petit enfance il n'y a pas beaucoup de diagnostics qu'on peut donner. On dit l'enfant, il est unique, est il est maître de son développement. Exactement, ça, ça va il ouais. le, 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 le développement, c'est pas une ligne droite. Là, donc, tu sais, souvent, euh, à, à, à 18 mois, un parent pourrait dire Oh, mon enfant, il parle pas, mais. Ça comme, se peut qu'il ait développé un il autre y a un aspect. de langage, mais non. Peut-être qu'il code déjà, tu sais, oui, c'est ça, il okay. faut faire attention. Donc, c'est pour ça que. Euh, on observe, donc euh, c'est pour ça, entre autres, le portrait qui existe. Donc, ça permet, si on détecte quelque chose, on va le mettre, puis là, on va intervenir pendant les six prochains mois, puis on revient après six mois pour voir, OK, ben là, j'ai mis en place des trucs. Donc, là, euh, si, si on voit qu'il y a encore des difficultés, ben là, on pourrait euh, suggérer puis, aux parents peut-être de consulter un spécialiste. De le tu sais, juste de l'encadrer, puis que, de la, le rassurer, puis de l'envoyer vers les bonnes ressources. Exactement. Si il y a des inquiétudes. Mais de nous inquiéter le parent? Je ne pense pas que c'est notre rôle. Puis retard, il faut faire attention On oublie ça. aussi. Puis euh... des fois, peu... ça peut être le parent qui dit aussi oui, « oui, oui, oui. Hey, trouve pas que ouais. mon enfant a mais, telle mais, affaire? » Mais ouais. euh... posé une autre... pigé une il y a autre des autre... ressources, de oui. toute façon, pour l'éducatrice qui se pose ces questions-là. Ben, il y a les agents de soutien aussi, si jamais vous, oui. vous êtes pas certain. Euh, des repas du développement, exactement. Donc, euh, ben, c'est là que l'observation va devenir importante parce qu'ils vont vous oui. demander, dans le fond, les portraits aussi, que, si jamais l'enfant a aller voir par exemple une orthophoniste pour un retard de langage soupçonné. Euh, les portraits que vous allez avoir faits, ça va être vraiment un outil précieux, pour précieux exactement. Ça va être la référence oui, pour l'orthophoniste. Exact. Parce que comme je l'ai dit tantôt, euh, si elle voit l'enfant une heure, deux heures, trois heures pour faire son évaluation, elle, elle voit pas 50 heures par non, semaine. Non non non. J'ai un une autre, autre question. Contexte, ouais. oui. Mel, Mel, juste Mel. Euh, J'aimerais savoir si le ministère va fournir un modèle uniforme pour le dossier de l'enfant. En fait, la réponse c'est non. non. Et dans le fond, à le ils c'est va... ouais, ça. Ils mais là, aux dernières nouvelles, ils vont proposer parce que là, il y a eu, c'est ça, beaucoup de questionnements sur euh, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils veulent que par là le portrait tout ça. Donc, ils devraient proposer un modèle, mais qui ne sera pas obligatoire. Donc, si, ce mo... puis heureusement, je pense, parce que s'il ne convient pas à, à Parce votre que, façon que les éducatrices fonctionner... ont déjà commencé à oui, utiliser différents a... modèles. Moi, là, je travaillais en CPE il y a comme 10 ans, puis on déjà on faisait ça, okay. on remettait deux fois par année, il y, a, il y a déjà des milieux qui ont déjà des outils qu'ils utilisent. Donc, ils vont pouvoir continuer à les utiliser s'ils répondent euh, aux quatre aux domaines exa exactement. Aux quatre donc, domaines, si le paraît. Puis, puis le ministère, là, pour mettre ça clair... Là, il, il propose il, il, il impose jamais des choses à part des exigences ou des dans, il... les, dans lois, les règlements là ouais. mais, mais comme ça. au niveau des formations non. au niveau souvent les gens nous appellent euh, par rapport aux 45 heures tu sais comme la formation est-ce qu'elle est conforme est-ce qu'elle est, est que... reconnue par le ministère c'est pas les ministères qui qui c'est les BC les bureaux coordonnateurs qui détermine ce, les... C'est pour ça qu'il y a aussi, je sais qu'il y a des BC qui ont, ils ont proposé aussi euh, différents modèles, mais ils, ils, encore là, ils ne vont pas exiger euh, de modèle spécifique. La euh... question est, les BC acceptent nos, nos outils. On, depuis 2005, on est partout au Québec. Ouais. Euh, les outils qu'on crée chez Educato, on les met à jour constamment, même le développement de l'enfant, que ce ouais. soit n'importe quel, aussitôt qu'il y a qu'une nouvelle loi, qu'un prix ou un tarif qui change... Nos choses sont mises à jour et puis. Euh, ouais, toutes les activités, même les activités qu'on présente dans le Club Éducatou maintenant, on les présente par aussi. Domaine. Par domaine. domaine on, a... on est toujours à jour parce que notre travail, c'est de simplifier le travail des éducatrices. Puis on est là, puis on va toujours être là, puis on s'en occupe, puis c'est notre rôle. Bravo, marie On <laughs> toi. On aime est beaucoup ça. ça, aider les éducatrices parce qu'on aime les éducatrices. <laughs> Donc, une autre question. Une dernière, une dernière, ah, dernière oui, question. Il ah, OK, vous? ils nous le permettent. Oui. Euh, ah oui. On va la faire rapidement. Ah, je... Est-ce qu'on devrait présenter aux parents la façon utilisée pour observer leur enfant ou simplement leur remettre le résultat de nos observations? En fait, ce que j'aurais le goût de dire par rapport à ça, c'est on peut présenter euh, aux parents s'ils si posent des questions, si le parent a le goût de savoir, euh, dans le fond, le processus ou le cheminement là, qui a mené à ça, mais normalement... Vous observez, exemple, toute l'année. Vous allez intensifier peut-être au mois de mai, euh, si jamais il vous manque des informations pour compléter le portrait. Donc, ça fait beaucoup d'éléments. Euh, euh, donc, vous pourriez peut-être juste euh, ajouter, comme j'ai dit tantôt, soit des photos, des petits bouts de vidéo, peu importe, mais euh, C'est pas un processus qui est caché, donc ça peut être fait euh, par une rencontre, par exemple. Euh, donc vous pourriez. Euh, donc, mais si vous mettez dans, des exemples concrets dans votre portrait de voici pourquoi je vous dis que votre enfant, par exemple, il contrôle bien, euh, ça, il, y a, il y a un bon euh, contrôle ou une bonne coordination, qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, on n'est pas obligé de tout. Euh, étaler finalement les observations qu'on a faites au courant de l'année. C'est ce qu'on a fait un peu dans, dans, le, le portrait, euh, dans le portrait périodique du développement. On est allé selon des critères aussi par rapport euh, au développement. On dit en guillemets parce qu'encore là, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de chaque retard enfin unique, ou de ouais, est, enfin est unique par rapport à son développement. Bon, euh, on a pas mal fait le tour des questions. Juste un petit rappel, les gens qui nous regardent pour la première fois pour poser des questions. Euh, une semaine ou deux avant le, le nouveau podcast, on, on met toujours un petit post sur Facebook, excusez mon anglicisme, là. Euh, puis on, avec le sujet, puis vous allez pouvoir poser les questions pour le prochain podcast euh, à ce moment-là. Écoute, Geneviève, avant, avant on a fait un peu de... On Avant de conclure, il là, là, y a fait... quelque chose qu'on n'a pas dit. Là? Ben, je vous ai dit plein de choses, mais est-ce que quelque chose que tu voudrais préciser? Ouais. Là? Ouais, là, on a pas mal fait le tour. Mais, moi, je pense qu'il faut rassurer les éducatrices. Oui. Là, on dirait quoi là, pour les rassurer par rapport à tout ça? Faites-vous confiance. Oui. Oui. Vous êtes bonne. Vous avez déjà tout ce qu'il faut. Euh, puis, tu sais, moi, souvent, je leur disais, tu si je vous demandais aujourd'hui, parle-moi de cet enfant-là. Raconte-moi un peu où est-ce qu'il est rendu dans son développement. Je suis sûre que vous auriez déjà oui. plein de choses à me dire. Donc, un peu partir de ça. Euh, partir de aussi si vous accueillez un nouvel enfant dans votre service de garde. Euh, Qu'est-ce que vous aimeriez connaître de cet enfant-là? Euh, donc, c'est un peu ça, là, il... il faut se donner le temps aussi. Puis se donner la chance, faites-vous confiance. Puis il y a des outils, exact. il y en a euh, gratuitement. Il y a des outils aussi euh, pour les membres du club Éducato. Il y a des formations. N'hésitez pas à aller chercher toute l'information que vous avez besoin et ça va vous rassurer par rapport à cette ouais. démarche-là. c'est quelque chose qui va évoluer oui. dans le temps aussi. Donc euh, l'observation, c'est pas une tâche supplémentaire, c'est une nouvelle habitude à intégrer, ouais. à juste faire un petit zoom sur l'enfant, d'aller juste un petit peu plus en profondeur et surtout de penser au bon moment et de les noter pour observer la différence. Moi, c'est mon Savez point. Savez-vous le, le, le contraire d'observation de, de, quand on va dans le dictionnaire? <laughs> non, mais il y a deux mots. Oublier, négliger. C'est le contraire. Ouais, le ouais, vraiment, pas, oui, le contraire d'observation. Oubliez pas, négligez pas. Négligez pas, ça Observez, euh... <laughs> on pourra écrire ça. Bon, sur ça, on a fait mais quand même... C'est bon, euh, Denis, j'aurais ai ben, jamais si pensé. Oui, ça m'a vraiment frappé. Euh... Le contraire d'observer, Néglige. c'est négliger. oublier, parce que bon, il y a observé bon. de, de différentes Mais c'est pour comme... ça qu'il faut observer tous les enfants. Oui. Puis il faut pas, c'est ça, des fois, il y en a qui passent un peu inaperçus, là, mais ils sont aussi importants que les autres. Puis faites l'exercice. Euh, de bruit ou qui bougent plus. C'est vrai. faites l'exercice de ne de pas dire je, toujours et jamais, oui. parce que vous allez voir que. On le dit souvent là, oh, cet enfant-là est toujours tannant, il meurt toujours. Mais il dans toujours... le guide, il y, y, y a une page complète ah, oui. là-dessus sur des, ouais, des stratégies Moi, jamais, pour être objectif. Jamais, ouais, jamais. Si, si, jamais. Bon, soyez mais... objectif. Donc, ouais. les outils nécessaires pour une bonne observation, c'est le guide pour personnel, vos quatre outils d'observation selon les, les âges, âges des enfants que vous avez besoin pour la collecte des informations exact. pour vous aider à remplir le dossier périodique. Qui est comme de un résumé de l'analyse de, de vos observations. De vos observations finalement. que vous notez comme si vous dans ces cahiers. Et euh, ils sont sur Educato, on va les mettre en lien. Puis on, euh, fait, on, fait, on fait tirer, tirer l'ensemble du guide des et les quatre outils d'observation. Et on va les faire tirer puis je vais le poster euh, à la Geneviève. oh oui Geneviève vas-y euh, je vais le poster à la gagnante remis tous les papiers. Euh, après le podcast tu as remis tous les papiers ouais. juste le prénom s'il te plaît avec la question comme ça on va savoir notre gagnante, c'est est José. José. Est-ce qu'on devrait présenter aux parents la façon euh, utilisée pour observer leur enfant ou simplement leur remettre le résultat de nos observations? Tu es notre question. gagnante. Je vais euh, t'écrire sur Facebook parce que je sais t'es qui par rapport à la question. Et puis, Attends, euh, on en oh, fait tu un tu deuxième vas pouvoir, prix. Euh, Je vais te poster euh, ton cadeau euh, là -dessus. Un prolongement d'un an ou un nouvel abonnement? Abonnement si Club Club au Club Éducato? Une ouais. deuxième gagnante. Vous allez avoir oui, accès au dossier dans le Club Éducato avec l'abonnement. J'ai pigé creux. Là. La, ré... la gagnante, c'est Mélanie. Mélanie. Comment aborder un parent qui n'est pas réceptif à, à nos observations? Donc, avec la question, on sait, t'es laquelle, Mélanie, parce qu'il y a eu plusieurs questions de différentes Mélanie. Donc, euh, tu... ah, mais les de côté, sur là ben, Je les ai pris en note okay. Mélanie, Josée. que vous êtes nos deux gagnantes euh, du podcast Éducato Micro sur l'observation. Et le dossier périodique de l'enfant avec Geneviève. Euh, mais entre autres dans le oui. club, il y a plusieurs autres. Ouais. On a même commencé à mettre des documents interactifs, là, comme le, le dossier à remplir, euh, des diplômes et que vous pouvez Allez faire un tour dans le club, vous allez voir beaucoup tout de ça. nouveautés. Ça. Bon, Geneviève, c'est déjà terminé. Mais ça a vite. Euh, ça a <laughs> Euh, écoute, tantôt, tu nous parlais de tes projets en 2020, euh, ta nouvelle formation, euh, dossier éducatif, portrait du développement, répondre aux exigences avec confiance. C'est ça. C'est ça? Bien en fait, vraiment de... décortiquer là, une démarche euh, qui mène à, à la rédaction des portraits. Puis aussi la communication avec les parents. Comment si on doit rencontrer les parents? Parce qu'en en fait, si le parent le demande. Euh, ils vont, les, les éducatrices vont devoir rencontrer les parents. Donc, comment un peu se préparer à cette rencontre-là? Qu'est-ce qu'on peut dire? Euh, comment aborder ça avec le parent? D'ici deux euh... semaines, elle va être disponible ouais. sur la boutique en ligne euh, dans la section formation. On met de la ouais, c'est ouais, ça. Correctrice <laughs> Parce que non, la elle en prêt, en est, ouais. Ouais, est, elle pas est pas prête. deux semaines, elle va être prête à, à, à être prête. En, en, en fait, une suite. Dans le fond, c'est vraiment. Deux, il y a une autre formation sur le camp. comment, pourquoi. Ouais. C'est vraiment deux formations euh, différentes, différentes. Puis, euh, c'est pas, faut pas faire la première pour à, à suivre la ouais, deuxième c'est un complément ouais, finalement. on a une trentaine de, de formations de oui. perfectionnement continu sur Educatoo euh, dans la section on formation on espère tellement avoir on va donner tous les euh, toutes les notes il y a et toujours rien, une page euh, qui est créée oui. sur euh, la section Éduc tv sur Educatoo il y a toujours une, une page qui est créée pour le podcast on va donner tous les choses notre prochain invité euh, le mois prochain c'est une, une autre bonne collaboratrice euh, depuis euh, quelques années d'Educatoo ça va être B, qui va venir nous parler de discipline positive et bienveillante. Ça va être à vous de poser euh, vos questions. Un autre gros sujet. Euh, la, la discipline ouais, positive. Euh, je vais avoir quelques petits trucs euh, <laughs> à porter sur la table. Aussi. Si vous avez aimé Educatoo, euh, parlez-en à vos amis pour rien manquer de nos prochains podcasts. Aimez notre page Facebook. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On a même un petit concours. On va faire tirer euh, 100 dollars, deux prix de 100 dollars à dépenser à la boutique en ligne pour les nouveaux abonnés sur la chaîne YouTube. Fait que, Allez vous abonner, pas compliqué. Vous cliquez abonner, euh, téléchargez Educato Micro pour les gens qui veulent écouter dans la douche, dans le <laughs> tour euh, sur Balados Spotify ou suivez-nous simplement sur Educato.com/barobliqueEducatv. Ma petite pensée eh, tout oui, le ah, temps. Oui, Écoute, ça vient d'un philosophe, euh, Jean-Jacques Rousseau. Euh, au 18e siècle, en 1712, qui n'observe rien, n'apprend rien. Hein? Oh, que, déjà, c'est insongé. Alors, rien, songé. alors euh, au nom de toute l'équipe d'Éducatou... on veut remercier notre équipe Rubicon. Rubicon. Marie-Josée Ravi, toute l'équipe de la garderie au Clos des Petits Hiboux ici, notre associée Karine Morin qui travaille à nous faire des beaux outils visuels pour simplifier votre vie. À toi, mon beau Denis. On ne dit jamais merci. J'ai oh, observé ça me dans fait les plaisir. derniers <laughs> observé, <j> <laughs> oui, On ne dit jamais non. merci. Et puis, euh, sur ce, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Merci. merci. Bye.